monsieur. Vous avez l'arbre suprême? Non, moi aussi, je vends des tomates. Ok. Lendemain matin. Monsieur? Vous avez l'arbre suprême? Non, sortez de mon commerce. Le lendemain matin. Monsieur? Vous avez l'arbre suprême? Ok, donc, la prochaine fois que vous venez, je prends une guillotine et je vous coupe la tête. Ok, ok, ok. Le lendemain matin. Bonjour monsieur. Vous avez une guillotine? Pourquoi j'aurais une guillotine? Alors j'ai une dernière question pour vous. Vous avez l'arme suprême? Okay. On va chercher ton arme suprême. Ok, voilà ton arme suprême. Voilà. Attends. C'est pas ce que je voulais. Bon, tant pis. Je vais faire avec. Je vais combattre la pollution avec mon arme suprême, Finger. Mais où elle est, cette pollution? Vraiment? Où elle est? Là, je t'ai trouvé. Oui, mais tu sais pas que je peux devenir invisible. Elle est où? Ça! Ah putain, j'ai oublié qu'il y avait l'arme fatale. J'aurais ma capuche, c'est pas elle. Donc, qu'est-ce que tu veux? J'invoque les animaux marins. Ça sert à rien, je les ai défoncés avec une plastique, le roi elle est complètement pollué, ils ont diminué de 50% par rapport à il y a 2 ans. Oh putain. J'avoue que les animaux d'Australie. Et j'ai tous fait cramer grâce à un incendie que j'ai créé grâce à grâce au réchauffement climatique. Non. Non. Ah merde. Attaque suprême. Covid-19. Moi, je suis le président de Pétain ou Schnock. J'invoque un confinement. Les scientifiques disent que 50% du CO2 a disparu. Les dauphins roses sont revenus.